Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes dimanche 4 décembre 2022. Ce matin, nous sommes avec M. Gédéon. Je vous rappelle que c'est un militant de l'IDPS, donc président de la Ligue des jeunes de l'IDPS au Nord Kivu. Avec lui, nous allons passer en tout cas 20 bonnes minutes en train de décortiquer l'actualité, surtout des informations qui ont marqué la semaine. Mais on commence par cette actualité. Gédéon, nous sommes à Goma. D'abord, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. C'est matin à Goma, il s'observe un calme. Différemment dans d'autres provinces comme la ville de Kinshasa, où nous voyons déjà sur les réseaux sociaux des mobilisations, les gens en tout cas dans la rue. Plusieurs répondent à l'appel de l'Église catholique demandant à la population de manifester contre l'agression et aussi soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, qui se battent contre plusieurs groupes armés, spécialement les M23 dans les Rutshuru. Gédéon, qu'est-ce qui explique ce calme à Goma? Le diocèse de Goma a fait aucun appel. Pourquoi? Et l'IDPS aussi, aucune mobilisation. Merci bien pour la préoccupation. Je ne sais pas comment je peux aborder vraiment cette question, mais il est évident que Goma, du côté catholique, ce n'est pas la première fois, vous allez vous souvenir, vous avez même essayé de couvrir beaucoup de manifestations lors de l'appel je ne sais pas, une organisation laïque à l'Église catholique, à l'époque du Rassop, on s'est mobilisé, mais on comprenait qu'à Goma, les évêques n'étaient pas dans la danse, ils étaient toujours hors, disons, de la carte. C'est peut-être ce qui est en train de se répéter. Mais ce qui se passe déjà à Kinshasa, ce qui s'est fait, c'est à féliciter. Nous sommes en train de louer ça parce que ce qui se passe à la République démocratique du Congo, ça donne une nausée, on vrai dire des exactions graves. Ce sont des actions qui vont encore éveiller la conscience patriotique. Ce sont des actions pour dire non à tout ce qui se passe. Et donc, nous n'allons pas rester sous silence alors que nous sommes en train d'être tués, nous sommes en train d'être massacrés. Alors, la question aujourd'hui, si on nous dit de dire non à dire non, ou soit, disons, à fustiger le comportement de la communauté internationale qui ne dit mot par rapport à tous ces carnages ici chez nous, moi je me dis qu'à un certain moment, j'estime que c'est une question révolue déjà parce que la communauté internationale, d'ailleurs, nous avons décrié sa complicité. Et si nous pensons que la communauté internationale est complice, comment nous voulons au même moment que la communauté internationale dise mot sur ce qui se passe alors que la communauté internationale, elle peut être considérée aujourd'hui comme problème. Si nous disons qu'elle ne dit mot, ce que nous voulons faire de ce problème encore une solution. Et donc, je pense que les manifestations, moi, je voulais que ça soit orienté vers notre gouvernement. Vers notre gouvernement. Essayer de réveiller notre gouvernement qui, jusqu'à preuve du contraire, ne veulent pas, en tout cas, pousser plus pour que les massacres ici... Et pourquoi? Comment comprendre le silence du diocèse de Goma? Alors, je dis que le silence du diocèse de Goma... Je ne sais pas si c'est... Parce que certains justifient cela. Ils disent non, voilà, Goma, il y a l'ennemi qui est à la porte. Et du coup, les diocèses ne veulent pas appeler la population à marcher dans la rue parce que l'ennemi peut profiter. Bon, il peut y avoir une infiltration, voilà, certains éléments avancés.
Est-ce que... Non, ce sont des motifs farfelus parce que il y a toujours eu des manifestations. Nous avons organisé des manifestations. Le mouvement citoyen a organisé des manifestations ici avant-hier. Les manifestations sont ici au quotidien à Ville de Goma. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui justifie? Vous savez, on a toujours douté de... Même, je reviens dans l'histoire, je ne sais pas, je demande peut-être une tolérance. Oui. À l'époque, tous ces infiltrés rwandais se cachaient toujours dans des églises. Mm-hmm. On avait toujours tendance à croire que tous les évêques ici à Goma ou les dirigeants de l'Église catholique étaient complices de ce que nous étions en train de connaître. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a tendance à croire la même chose que non, voilà. C'est dire que ces gens puissent lever les gens, dire de descendre dans la rue parce qu'il y a des problèmes comme ça, parce qu'on les a toujours suspectés. Mm-hmm. Ça, c'est un aspect des choses. Les suspecter comment et dans quoi? Oui, parce que il y avait toujours les évêques qui étaient complices de l'agression rwandaise. Mm-hmm. J'ignore les noms même. Ouais, ce n'est pas la peine de citer les noms. Ce n'est même pas la peine. Mm-hmm. Y a eu des moments où nous avons, j'étais encore petit, on a organisé une manifestation dans l'église même, ici à la cathédrale, parce qu'on a compris que l'évêque, c'est lui qui cachait les armes, c'est lui qui recevait tous les Rwandais. Bon, d'ailleurs, il avait des relations qui étaient vraiment avancées. Et même peut-être père rwandais, mère congolaise, bon, et toutes ces choses. Donc, il y avait... L'Église catholique honore Kivu, vraiment, beaucoup de dirigeants sont suspectés, doutent de leur nationalité. Ça, c'est un aspect des choses. Moi, je pense que ça peut encore se répéter. À l'époque, il y avait Kaboï qui était ici, qui était évêque. Quand à Kinshasa, on faisait appel à des manifestations, ici, c'était un silence. Et nous, d'ailleurs, je me rappelle beaucoup de combattages à chapeau bas, à Monsieur Wemba Katina. Ici, la manifestation qui s'était passée, je sais, en 2017, je pense, à l'appel de l'Église catholique. Et nous, on est là, on a mobilisé les gens. Quand ça s'est passé, l'Église catholique a dit que non, elle n'était pas concernée. Les gens ont fait la prison. Pour ça, là, l'Église catholique s'était rétractée. C'est à l'époque de Kabila. C'était... Oui, c'est l'époque de Kabila. Quand vous étiez encore à l'opposition. Oui, on était à l'opposition. Et... Vous accusez pour trouble à l'ordre public. Voilà, alors que c'était une manifestation qui était organisée par l'Église catholique. D'accord. Et revenons sur ce témoignage qui fait en tout cas froid au dos. L'affaire de Kishishe continue à susciter en tout cas des réactions. Parlons et analysons cette dépêche de nos confrères d'actualité.cd qui titre à la une ce matin « RDC Kishishe, on mettait 3 ou 6 personnes dans un même trou. » Dans un même trou, pardon. « On mettait 3 ou 6 personnes, je m'excuse, dans un même trou. » Rukundo raconte avec... Et froid comment il a été contraint par les combattants du M23 d'enterrer les morts du village de Kishishe dans l'est du Congo où un massacre aurait fait mardi plus d'une centaine de morts. Un autre habitant du village, Mukiza, interrogé lui aussi par téléphone par l'AFP, l'agence France-Presse, depuis Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, située à environ 70 km au sud de Kishishe, assure avoir vu de ses yeux 6 fausses communes, dont 4 à l'église adventiste où beaucoup de gens ont été tués, dit-il. Tous racontent comment des miliciens Mai Mai sont arrivés ce mardi 29 novembre dans le village où ils ont
affronter les M23 pour les mouvements du 23 mars. Une rébellion majoritairement Tutsi qui s'est emparée ces derniers mois des larges pas du territoire de Rutshuru au nord de Goma. On poursuit avec cette dépêche de nos confrères de l'AFP, mais relayée par Actualité.cd. À ce moment-là, une trêve était née entre les M23 et l'armée loyaliste, mais des milices communautaires Maïmaï appuyées par des rebelles et Hutus du FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, continuaient de combattre pour bloquer l'avancée du M23 en direction du territoire voisin de Masisi. Ayant échoué à prendre les villages, les Maïmaï ont fui, explique Mukiza. Et cela, affirme-t-il, que les rebelles ont commencé à tuer tous ceux qu'ils voyaient assimilant les habitants aux miliciens qui venaient de combattre. L'armée congolaise a accusé jeudi les M23 d'avoir massacré au moins 50 civils. Et le lendemain, en conseil des ministres, le gouvernement estimait à plus d'une centaine le nombre de morts. Les M23 niaient avoir commis un tel massacre. Le bilan est difficile à établir des sources indépendantes faute d'accès à cette zone sous contrôle rebelle. Une source médicale qui requit l'anonymat a déclaré à l'AFP que 117 morts ont été enregistrés. Bunyama, 33. Kilama, à l'église adventiste, 64. Kishishe Centre, 4. Konga, 4. Kiko, 12, précise cette source et en énumérant les sites martyrs. Les rebelles ont eux-mêmes enterré mardi et mercredi les victimes en disant que c'était des Maïmaï, ajoute-t-elle. Des hommes et des jeunes, dans l'après-midi, quand le calme est revenu, ils ont rassemblé les hommes à leur disant d'enterrer les morts, témoigne Rukondo. À ce moment-là, beaucoup de femmes disaient qu'ils avaient tué leur mari, pas de Maïmaï. Mardi avant la nuit, 17 cadavres ont été enterrés. On a enterré chacun où il avait en tout cas été tué. Nous mettions trois ou six personnes dans un même trou. Les rebelles nous surveillaient. Tous ces gens étaient des hommes et des jeunes, poursuit Rukondo, qui témoigne sur l'AFP. Je suis sous le choc, difficile pour moi de raconter ce qui s'est passé mardi chez nous à Kishishe, soufflait Mungazi depuis son lit d'hôpital dans la localité voisine de Bambo. Ben, c'est triste, hein? Il dit, j'ai été blessé ce jour-là à la tête d'un éclat d'une bombe que le M23 a lancée, dit-il, ajoutant avoir vu le corps de plusieurs membres de l'église adventiste. Selon lui, l'ancien de l'église James et son garçon Ishimwe ont été sortis de chez eux par les rebelles qui ont cassé la porte de leur maison et ont tiré sur eux à l'extérieur. Vers le soir, quand le calme est revenu, un habitant qui allait puiser de l'eau m'a ramassé et m'a amené à l'hôpital, dit tristement Mungazi. Un élu de retour sous couvert d'anonymat chiffre lui aussi le nombre de morts à une centaine. Il dit, dans le village, il y avait des Maïmaï, des FDLR, les M23, c'est difficile de savoir qui est l'auteur de cette tuerie, constate-t-il. Il estime que les M23 a effectivement pu tuer sans discernement les habitants assimilés aux miliciens, mais déplore aussi que les Maïmaï aient surgi dans une zone habitée.
Un responsable de la société civile locale ajoute à 700 de civils tués à Kishishe, selon ses sources. 8 autres villageois morts mardi non loin de là à Kazaroho, tués alors qu'ils racontaient qu'ils récoltaient des haricots. Une dépêche de nos confrères de l'agence France Presse, l'AFP, relayée par l'actualité, pour céder. J'ai donc difficile de revenir sur cette dépêche. Ça fait froid au dos. Des témoignages, il y a plusieurs témoignages, plusieurs sources que nos confrères ont contactées. Mais ce qui retient encore mon attention ici, c'est on mettait 3 ou 6 personnes dans un même trou. Un peu de commentaires. Franchement, on est embarrassé de cette nouvelle. C'est parce que c'est triste nouvelle. Mais c'est parce que les autres sont loin de la réalité. Nous sommes en train de vivre la réalité. Oui. Et quand on dit qu'on a tué, il y a des visages de personnes que nous connaissons. Il y a des amis avec qui on a vécu, qui ont été tués. Et c'est là. Et qui ne sont plus là. Qui ne répondent plus à l'appel, c'est ça. Vraiment. Et c'est là seulement parce qu'ils sont congolais. Qui sont en train d'être massacrés. Ce n'est pas la première fois, nous avons vécu la même réalité avec l'arrivée des CNDP à Kiwanja, où les gens étaient en train d'être jetés dans des toilettes. 10 personnes sont jetées dans une toilette. C'est une situation grave. Mais Kinshasa fait quoi concrètement? On a décrété 3 jours de deuil national et à la fin, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Je suis en train d'y aller. Je suis en train d'y aller. À un certain moment, ça prouve aussi quelque part la faiblesse de notre État jusque-là, il faut le dire. Ah, vous êtes au pouvoir, vous sentez maintenant qu'il y a quelque chose qui ne marche non, pas. Non, je suis au pouvoir parce que quand même, je l'ai dit, attaque... L'IDPS. Je l'ai dit qu'à l'IDPS, je l'ai dit qu'à l'IDPS parce que c'est dire à justifier. Vous donnez raison à Fahim. Il y a une réalité, ce que on dit à science politique, quand l'État est faible, nous périssons. Et s'il ne faut pas le dire, parce que c'est nous qui sommes en train de périr. Vous pouvez démissionner déjà, ce sont nos villages. Je m'imagine que si j'étais là pour en train de faire mon chat, je ne serais plus là. Oui. Vous voyez. Alors, quelle est la stratégie aujourd'hui de notre force armée? On a décrété 3 jours. Quelle est la stratégie? Alors que le Rwanda a un principe... Talking and fighting. C'est-à-dire? On parle et en même temps, on se bat. C'est ça la signification? Ah oui, je pense, bien que je ne suis pas bon en anglais. Alors, nous sommes à Nairobi, nous sommes en train de parler. Est-ce que nous avons mis à côté l'option de la guerre? Depuis un certain moment, nous sommes en train d'assister à l'avancée de ces terroristes. Et au même moment, ils s'observent de la calmie, ils s'observent, je ne sais pas, une trêve du côté de nos militaires. Mais quelle est cette stratégie-là de la défensive? Franchement, ça pouvait interpeller tout le monde parce que nous n'avons que notre armée qui doit nous protéger. Oui. Et là, quand dans la dépêche de vos confrères, on parle de Mai Mai, c'est qu'on a laissé les M23 à la merci de la population. Et les gens sortent pour essayer de s'auto-défendre parce que il n'y a pas quelqu'un qui est rempart, qui serait notre armée. Mm-hmm. Voilà ce que ça donne. Et ces gens-là, ils vont se battre avec quoi? Ils sortent avec leurs machettes dans leur maison pour chercher à barrer la route à ces terroristes bien armés par les Occidentaux et à travers le Rwanda. Quelle est la personne qui doit faire face si ce n'est pas notre armée?
Nous nous disons que non, la stratégie, aujourd'hui la stratégie militaire, peut-être a connu ses limites, l'actuelle stratégie, et les gens sont en train de mourir. Franchement, c'est une humiliation à la République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas supporter ça. Nous ne pouvons pas supporter cette humiliation. D'accord, c'est vous qui l'avez dit, Thérèse. Vous êtes au pouvoir, Gédéo, c'est vraiment triste. C'est ce que nous suivons. Mais quand même, on a foi. S'il faut dire la foi dans la politique, on a foi que Kinshasa va faire quelque chose. Je sais qu'on peut croire en tout cas à la stratégie, à la diplomatie du président Tshisekedi. Nous attendons cette diplomatie que vous nous parliez il y a plusieurs mois, années, la diplomatie que vous aviez qualifiée d'agissante. Elle est où cette diplomatie? Oui, la diplomatie apolitique, c'est comme quelqu'un qui vit et qui respire. On ne peut pas la faire... diplomatie agissante du pouvoir actuel, elle est où? Parler. Elle est là, parce qu'elle est là. À Kishishe. Sauf que à Kishishe, l'option devait être vraiment militaire. Et on devait faire face à ça. C'est là où j'ai dit, les amis, on ne peut pas laisser seulement aller pour parler comme seule option, maintenant que le terroriste est déterminé. Je pense que il y a beaucoup de mots. Je parle ici au gouverneur militaire, nous sommes sous l'état de siège. Nous devrions l'interpeller sur quelque chose. Au-delà de ce qui s'est passé à Kishishe, je pense qu'il y a d'autres défis ici. Maintenant que la route est coupée, vous imaginez la vie ici à Goma. Mais il y a une route ici à Kichanga. Mais pourquoi ne pas prendre des tracteurs et réhabiliter cette route? Mais maintenant, vous allez constater que les gens sont en train encore de traverser le Rwanda. Oui, c'est là où tout ce qu'on mange aujourd'hui, ça vient du Rwanda. Et les jeux du Rwanda. C'est ce qu'on mange à Goma. Et Kagame est en train de... Et parfois, c'est envoyé à Kigali, disons à Kinshasa. Non, et Kagame est en train de réussir ce jeu. Il est en train de se faire l'argent pour nous combattre. Qu'est-ce qui manque à ces gouverneurs de mettre des tracteurs? Il y a une route là-bas. Et les gens sont en train de faire une... Mais la route est toujours dans un état de la... Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça devait déjà... on devait déjà finir avec la réhabilitation. Mais on ne réfléchit pas sur ça. Mais l'état de siège, moi, je le soutiens. Mais pourquoi, si les acteurs qui animent cet état de siège ont échoué, pourquoi ne pas échanger les acteurs qui sont en train d'animer cet état de siège? Quand vous parlez de Kishishe, je vous parle de Boutembo aussi aujourd'hui. Ceux qui créent les sécurités, nous avons de vraies informations, il ne faut pas les cacher. C'est qui? Non, c'est ça, non. Nos forces ici de... De l'IDPS? Non, l'IDPS, il ne faut pas créer les sécurités. Ce sont les policiers, les militaires. Et on tue les gens chaque jour. Mais pourquoi ne pas changer ces acteurs? C'est vraiment triste. Alors que quand vous essayez de comprendre, vous sentez qu'il y a une détermination du côté de Kinshasa, du président de la République, pour que les choses changent, pour que les Congolais puissent vivre une dans paix. La quiétude, ouais. Oui, vivre cette quiétude, mais... Mm-hmm. Quelles sont ces personnes-là qui l'accompagnent pour... Je sais que le président Tshisekedi et d'autres qui aiment ce Congo-là, comme lui, vont écouter, vont faire quelque chose. Merci, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Restez à l'écoute de Congo Live Télévision. Bye bye.